What's up, guys? Welcome to another video. I'm on my phone right now. This is going to be a pretty different style of video. I don't know how you'll feel about it, but I thought I would show you the footage anyways because it was pretty cool. My editor, Erwan, it was his birthday over the weekend, and so I organized a little surprise for him. He'd never driven a supercar before, and so I kind of put hidden cameras around and told him that we were just going out for a little drive to get some Instagram photos and maybe some Instagram videos. And in the end, allowed him to drive the Ferrari. First time he ever drove a supercar, little birthday surprise. And because he's French, we obviously communicate in French. So I filmed the entire video and his reaction was completely genuine, but obviously we were speaking French throughout the whole thing. But I still wanted to share it with you because I found that the video was pretty cool and his reaction was cool and genuine. So I'm gonna show you the video now, which is filmed mostly on my phone and on my GoPro because I didn't wanna take any of the gear because it would have kind of given the surprise away to him. And I've put subtitles so you guys can follow along. So enjoy this video, completely different, new style, but it was an awesome surprise. I really enjoyed filming it and I hope you guys enjoy it. Sorti comme ça avec la voiture. Pourquoi j'ai des potes comme ça là? Joyeux anniversaire. Tu vas conduire ta première Ferrari. Alors, je vais t'expliquer un peu comment tout ça, ça marche. Alors, la chose la plus importante, c'est que les freins sont froids encore. Mm-hmm. Donc ça va pas freiner. Deux, pas besoin d'aller trop vite. 3. Alors, voiture normale, t'as déjà conduit en palette? Non, moi j'ai tout fait en okay. Alors, en gros, tu mets ton pied sur le frein et après tu vas tirer ici. Première. Ça te met la première, ouais. Ça t'a ça. Prends la main. Après, voilà. Hein. En fait, y a pas trop de trucs. Merci, instructeur. De rien. Donc après, t'as les indicators comme d'hab. Quand tu roules pas, si tu. Juste pour tester, tire les deux palettes. En même temps, ça te met en lettre. Donc quand tu roules pas, tu la laisses comme ça et quand t'as envie d'y aller, tu mets la première quoi. Ça marche. Voilà. T'inquiète, pourquoi tu m'offres ça là, Sébastien? C'est pas bien. Quand tu changes de vitesse, soulève. Ouais. Juste pas besoin d'embrayer quoi. Ouais, voilà. Putain, ça reste souple hein. Ouais, c'est souple. Putain.
Mais après, le truc qui est badant, c'est qu'elle est super large sur les routes comme ça. Allez, il y va. Incroyable. C'est quelque chose, hein, quand même. Mec, t'effleures à peine la pédale, ça part. Ouais. Mec, t'es un ouf. Faut pas blesser ça dans les couilles. Oh. Là, t'as porté des couilles. Le camion qui passe, faut faire gaffe parce qu'il y a des camions qui passent. Putain, puis les routes, elles sont étroites. Ouais, les routes sont toutes petites. Alors, c'est comment? Incroyable, mais t'es un malade. Merci, frérot. Ouais, bien sûr. C'est ton anniversaire, fallait bien qu'on fasse quelque chose. Putain. Et moi, je me dis, allez, on va se décordir les pattes. Je kiffe que toi t'es en kiff. Attends, j'essaie de filmer aussi en même temps. Et tu peux sentir à quel point elle est légère, non? L'arrière aussi est assez légère. Tu la places comme tu veux, quoi. C'est ouais. Tellement précis. Et ce bruit? Ah, elle est super serrée, ce virage. En plus, j'ai un copilote d'exception. C'est un copilote de rallye. Là, tu vois là. Que demander de plus? Bon, bah. C'est quand même quelque chose, hein. J'avais envie que tu la testes un peu. Et ça faisait un bout de temps que j'avais envie de te faire tester, mais je me suis dit, je vais attendre son anniv. Oh, mec, mais t'es un génie. C'est un peu chaud. Mec. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, avant ce Doden là, bah mets-toi là. Parfait. Voilà, tu mets les deux palettes, tu tires le frein à main, tu lèves le. Ouais, voilà, parfait. Alors? Incroyable. Ouais? Incroyable. C'est à quoi tu t'attendais? Tu pensais que ça allait être comme ça? C'est une bête, mec. Y'a pas de mots. Super, frérot. Ah, mais bien sûr, joyeux anniversaire. 23 ans. Ah, ça fait plaisir. Ah, mais t'inquiète. Je suis content que t'as aimé. Je suis content que... C'est pour ça que je voulais la rouler moi avant, pour chauffer le moteur, pour que quand tu l'aies... Ben oui, mais surtout le moteur. En plus, je connais pas les routes, mais genre même, ouais. Tu mets à peine le pétant. Ouais. Mais j'avais envie... Mais ça reste safe quand même. Ouais. Ouais, quand c'est mouillé, c'est très traître. Parce que... c'est un système de traction qui est quand même un peu vieux. J'ai fait de mon mieux, je sais pas si la vie, comment elle va être cette vidéo. Mais mec, non, je te jure, vraiment honnêtement, à aucun moment je m'y suis attendu. Ah ouais? Non. C'est parfait. Je savais même pas que tu pouvais la... Elle est assurée? Oui, oui, non, je te l'aurais pas laissé. Parce que ça, même ça, je savais pas. Non, mais j'ai appelé et tout... Ah ouais? Hier, pour voir si c'était bon pour toi, pour moi, je te jure. Oh. Incroyable. C'est quelque chose, hein. Ah, mais mec. L'adrénaline que ça te donne. Mais tu vois, elle est intimidante quand même. Ouais. Ouais. Mais grave. Mais en fait, je coupe ou pas? Non, je peux continuer. Le truc, c'est genre,
c'est une bombe de puissance. Mais genre t'as l'impression, enfin elle fait pas tant peur que ça. Par contre, si tu mets vraiment trop le pied dedans, là tu te dis ok. Parce qu'en fait le truc qui est un peu piégeux là-dessus, c'est que faut savoir se poser ses propres limites. Ouais. Parce que si tu commences à prendre un peu confiance dedans, à mon avis là ça devient traître. Ben moi je fais grave attention avec. Oui bah oui. Et mais après, genre... je connais toutes les routes parfaitement, donc ça, moi, ça m'aide. Mais par contre, commencer souple à conduire. Ouais. Quelque chose à ajouter? Je suis amoureux. Je pense que la voiture parle d'elle-même. Ouais. Allez, Walou. Attends, on va enlever les. En vrai, j'étais étonné que t'étais juste en mode ouais, ok, chill, pas de soucis. Non, mais moi, genre, je te dis, j'étais dans mon editing. Ouais. Je me suis dit, tu sais quoi, ça, on va prendre un peu l'air. Ouais. Et genre, à aucun moment, mais aucun moment, mec, t'es un génie. C'est un génie. Un joyeux anniversaire les gars. Je vais mettre l'insta de Erwan là. Comme ça vous pouvez aller le suivre pour son anniversaire. Incroyable. Mais voilà, j'espère que la vidéo elle était bon, que ça a marché. Je sais pas du tout comment ça va être, parce que j'ai filmé des trucs en secret hein. Ah ouais. Comme ça quand on sortait et tout. Right, so that's the video. I hope you guys enjoyed. I hope it made sense and you were able to follow along even with the subtitles and you were able to enjoy the video. It was really really good fun to film. And of course a massive happy birthday to Erwan. His Instagram's down below as I mentioned in the video, so you guys can go follow him if you want to. And yeah, it was just so much fun. So thanks as always. Please subscribe if you aren't already. And I'll see you again very soon. Cheers, guys. Bye-bye.